Assalamu alaikum. Faire la vidéo à dire un duo, une introduction à l'économie industrielle. Le module est qui sera du semestre 6. Donc, une définition de l'économie industrielle. Qui est l'économie industrielle, l'hadef de l'aide est de s'intéresser au fonctionnement du marché. Mais qu'un goût le marché, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Mais qu'un qui est la café et l'art ou la talab. Mais l'économie industrielle, elle s'intéresse au fonctionnement du marché selon ses structures. Yani, l'économie industrielle, elle chauffe les structures du marché. Le marché de concurrence pure et parfaite ou le marché de concurrence imparfaite. Le marché de concurrence pure et parfaite, CPP, l'entreprise est price taker, preneur de prix. C'est le prix de marché. Donc, le marché est un peu plus fort que l'économie industrielle. L'économie industrielle, Brine chauffe le comportement de l'entreprise qui fait que l'entreprise agit sur le marché. La concurrence pure et parfaite, l'entreprise récupère le prix. Donc, maintenant, je vous ai fait la concurrence pure et parfaite. Il chauffe la concurrence imparfaite. Le monopole, oui, mais le monopole, l'entreprise est price maker. Il est capable de prix. Qui est une entreprise ouahda, donc, maintenant, je vous ai fait le marché. On va s'intéresser au marché d'oligopole. Mais les kangoul oligopole fait peu d'offreurs face à plusieurs demandeurs. Un nombre limité d'offreurs face à plusieurs demandeurs. Un échelle qui est très face à bzèf de les demandeurs. L'économie industrielle, nous avons dit ça. Nous avons dit le mitel des deux entreprises, deux firmes. Un snou duopole. Et c'est l'économie industrielle qui est bzèf duopole de Cournot, Stackelberg, au Bertrand. On chauffe les vidéos, imagine, Kula, Duopole, à la Hida, on chauffe les exercices qu'au régime. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grande école et 5 masters spécialisés. À savoir, finance et économie appliquée, international business, supply chain management, strategic marketing and digital, human resource management. L'UR s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, de sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Le transport est dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'Université internationale de Rabat bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant ou bien visiter le site web de l'UIR. Je vais mettre l'introduction. Donc, dans l'économie industrielle, l'FDNA, on chauffe le fonctionnement du marché selon ses structures. Dans la structure, il y a un marché de concurrence pure et parfaite, mais on va s'intéresser à l'économie industrielle, le marché de concurrence imparfaite. Il faut que vous ayez l'approche que vous avez, l'approche positive ou normative. Après, tu as appris le macroéconomie, il y a l'approche positive qui chauffe le phénomène qui est là. Mais quand vous avez une chose qui est là, l'approche normative, là, on essaie de construire quelque chose. L'économie industrielle, il y a un goal. Approche positive, il y a un chauffe l'explication des faits. Kif mahoumé. C'est bon. L'approche normative, il y a un chauffe les théories qui vont s'intéresser à la matière de l'économie industrielle. Donc, il y a l'objectif d'analyser le marché, les stratégies de firme, surtout en termes de prix et de quantité. Alors, il y a un modèle qui se met modèle structure, comportement et performance, SCP. Fad model hada quand on parle de structure du marché, structure, on va s'intéresser à l'oligopole. Mais quand on dit oligopole, il y a un nombre limité de chéricates. Mais après, on chauffe l'entreprise, le comportement d'elle a fait le marché. Mais quand on dit le comportement d'elle, qui fait qu'elle se fixe le prix, qui fait qu'elle se fixe la quantité. Enfin, on va voir ensemble performance de l'entreprise. Performance, c'est le profit. Le profit, je ne sais pas,
recette totale moins coût total. Mais derrière l'entreprise, il n'y a pas de masarif. L'économie industrielle, en termes de bzef, elle a la microéconomie. Il y a des calculs, il y a le coût marginal, il y a des quantités d'équilibre, etc. C'est le programme de l'économie industrielle, il y a un chauffeur, il y a la suite des vidéos. La partie théorique, surtout la théorie de jeu, un chauffeur, une bête, c'est la partie empirique d'Yenna. La vidéo de l'humain, c'est l'être. Les autres vidéos, un chauffeur, les cas pratiques. D'ici là, je vous dis.